Il y a 5 mois passés, je t'ai dit que nous allons en transition. On ne sait pas parler de l'Afrique, on ne sait pas parler du Grand Lac, on ne sait pas parler de la République démocratique du Congo, sans parler des États-Unis, sans parler de la France, sans parler de la Belgique. Aujourd'hui, l'Allemagne est entrée dans le coup. Aujourd'hui, la Russie, à côté de la COP, parce que c'est un deal, c'est un COP. Ça veut dire qu'on n'a aucune décision à prendre. On est en fou, il y a un Congo. Alors, le lopo na kimé kota na Congo central, eza ko senga foko luka ba nsamba, ba makasu, ba ko belela ba ki simbi. E simba te Congo central. Antoine Gondo a corrigé Congo central. Congo central, eza biloka ba bakulu ba ki simbi, ba mando na bangunza. Antoine Gondo, Jean-Claude Vemba santé comme il a problème. A memi charge a mili mominga zo kokate. Dans la vie, il ne faut jamais mélanger les torchons et les serviettes. Au vent de sa piste, au vent de sa pour dire mon papi. Non, c'est un lié. Papi, t'es ma vie, débat. Il n'a pas mon niveau. Il n'a pas mon niveau. Bengelanga Francis Kalombo, tout ça a débat. Bengelanga Francis Kalombo, tout ça a débat. Bengelanga Germain Kambinga, tout ça a débat. Bengelanga Yves Kissot. Ok. Comme il m'a papi Tamba. Voilà, Aboudé, papi Tamba. Non, mais on n'a pas le même niveau. Kinshasa va s'inonder. Nous avons sonné d'alarme, Kinshasa est inondé. Alors, dans le rapprochement, dans le réflexe, il y a chef de l'État, dans la logique, il y a Vitalo, je pense qu'il faut bien ça les DG ou encore le comité de gestion, il y a Metelsat. Allô? Naya wa santé, Eza? Misuma? Ah! Hé! Vous avez dit que la avez santé à moi? Mon fils! Pour ma santé? Misuma? Ah! Okate linga lingala. Bandeko, misunga ezali kokate la mutu lingala te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesa meli na batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akokika ka contribuer na mbongo mukie na fin du mois pour être mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na ba hôpitaux nyonso ya minene. Il y a la République démocratique du Congo. Ceux qui sont malades, ils ne sont pas traités. Alors, en Congo, ils sont en train de charger. Ils sont en train de se faire soigner. Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, Dohen, Kalamingité, ils sont en train de se faire soigner. Ceux qui sont en train de se faire soigner, ils sont en train de se s'occuper de la mort na Corbia. A ce bandeau, Bazali Libanda. Bakoki ko adere bande ko na bango awa na Congo pour être bazo kaswe awa na mbongo bango bazali ko fut na misunga ta santé c'est ta vie bana din bana Dar es Salaam bana poto bana mokil mobimba cité fait moko Afrique info avec Frank Semai yandankala twende X Bass Marandura un réel plaisir de vous savoir nombreux fidèles internautes de Africa Info. C'est la politique info, votre émission aimable qui ce jour reçoit Timothée Lenoir et Fika. Et le monde est tout solo là. Et ça, il s'est fait passer pour les représentants de Congo central dans la politique indépendante Lelo. Si vous avez une invalidation, une réhabilitation, une motion de défiance, enfin, à Longwe, Makambo Bele Bitumba dans l'Assemblée nationale. Nous sommes dans la politique. Mwamboutou et Salamari d'une part, Douni Akilanga de l'autre part, Jean-Marc Kabound. Pour eux continuer à faire. Voilà, avec Timothée Lenoir, mais je dis déjà un grand merci à Odette Les Salamegan depuis Suisse-Irlande. Merci à Franck Stemaï, hein, le top manager. Timothée Lenoir, bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très flatté. Bah, tu vas supporter Bissot, tu as l'émission à Céamoui. Et pas la Bissot, on a été Kaouka, Tobin Arango, les mouvements de la danse du soleil. Et ça, moi, mystère, moi, parce qu'il y a des mystérieux. Pourquoi? Parce que des mystiques existent. Je voulais quand même te dire merci pour l'invitation, Steve.
avec toi, ils ont la rana, ils ont bien, mais ils ont aussi la rana. Mais je voudrais quand même faire un dédicace dans ma bière. Donc, il y a des gens qui ne m'aiment pas, mais il y a aussi des gens qui apprécient ce que j'ai fait comme travail. J'ai un nouveau habillé, quelqu'un qui s'est décidé de m'habiller parce qu'ils ont croire dans le combat. C'est Ya Willy Mouchine. Alors, au long de conseiller politique, il y a comme maman habillé. Non seulement je suis son conseiller politique, mais Ya Willy Mouchine, il y a un dépôt parce que le convoi est belé. Désormais, tu seras très bien vêtu, belle chemise, beau costard, belle paire de chaussures parce que tu fais bien ton travail en tant qu'analyste politique. Et après, il faut que tu aies un peu. Ah oui, ma constitution, ah oui, ma cambo pour naïe, vi supporter ngai. Je salue Willy Moucheni, Kodamoka. Ce qui est vrai, politique est changée. En tout cas, la nouvelle technologie est dans ma cambo. Ma politique est vraiment au bord de ma banga. Vraiment. Il faut préciser, Steve, ce que j'aime en toi, c'est parce que tu es trop taquin. Il faut dire que Timothée, le noir et fille que je suis spécial et unique à mon genre. Ça veut dire que dans mes analyses politiques, je mets un peu d'humour. Je mets un peu des blagues et ça détend les gens. Un peu de dédicaces. Un peu de dédicaces. Comme là d'entrée déjà, un dédicace à Nino, comment dire, on a une dédicace. On a un salé Kayas. Je sais qu'en ce moment, Zoka ici Kaza. Sur 26, il n'y a que un. Le patron de tous les gouverneurs. Donc aussi sa phrase. Tolini va polémique on a été parce que. Non, le patron de tous les gouverneurs, ils ont un moko. Lola Bamarche. Richard Mouyesh Manguez Mans. C'est mon papa. Nalobi Mabe. Je salue le gouverneur Richard Mouyej Mangens Mans. Le patron de tous les gouverneurs. Bon séjour à Kinshasa, tous et la yo, excellence, et au sala bien. D'entrée, toko tasko na masolo. Timothée Lenoir, avant aussi maintenant Congo central. Politique en beaucoup, ils ont été na minute. Sur le plan national. Politique en boga, eko tambola lo lengen tabaha ko tambola. Eko kenya na loboka mobali, eko zonga na loboko ya moi sindenge biso bangala to lobaka. Et bien, il y a un bel mouvement. Wana. Le lingue est qui est dans le mobile, le lingue est qui est dans le bon côté. Mais dans tout cela, une chose est sûre, je ne suis pas un flatteur, je ne suis pas un commandeur d'emploi. Dans le devant Camara, il y a Africa Info, qui est un grand magazine, une grande chaîne de télévision dans les jours à venir. Africa Info avec Franck Stema, je me prononce qu'aujourd'hui, je suis derrière la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, parce qu'au nom du nationalisme, au nom du patriotisme, je le soutiens. Je ne parle pas au nom du populisme, je ne parle pas au nom du fanatisme, mais je parle parce qu'il faudra sauver les meubles. Et pour sauver les meubles, j'ai compris qu'il y a quand même des choix qu'il faut faire dans la vie, qui sont difficiles, mais qu'il faut assumer. Mais je reste analyste politique indépendant pour l'instant, parce que ma sollicitation est Zoya Ebele. En attendant, rejoindre le parti Moroya. Ah. En attendant la région de parti Mokoyebanité entre FCC et Cash, je suis en discussion les deux côtés, on m'appelle, on me sollicite, on me propose. Non, tout sauf le PPRD. Le PPRD parti à Bagamster. Oui, ça c'est un cas exceptionnel. La PPRD, il y a des cas exceptionnels. Je ne touche pas à Richard Mouyej. Ne touche pas à Richard Mouyej. Il faut rejoindre Richard Mouyej. Ne touche pas à Richard Mouyej. Ne touche pas à Maître Jean Mbouyou, ne touche pas au pasteur Moïse et Kanga, tout ça c'est le PPRD. Mais moi-même je ne suis pas du PPRD. Timothée, quand tu as PPRD, hein? Tu es dédicace spéciale à Vitalo. Timothée Lenoir. Tu es dans le dédicace spéciale à Vitalo. Timothée Lenoir. Retourne à tes Vitalo et Zana. Olingo Kota, na pouvoir. Au bandit déjà au flatté Fachi, au Rimpia Kate apparemment. Tu es dans le flatté Fachi, au contraire. Fachi il s'appelle Monsieur Béton. Moi Timothée Lenoir, je m'appelle Monsieur Burin. Parce qu'il n'y a pas le choix. Parce que résistance à béton et zaga à Burin. Mais j'ai fait dédicace dans un spécial et pas Vitalo. Et les qui la battent, ils n'appellent pas Vitalo. Yo, tu vas dans la naïe, si vous êtes naïe, vous avez raté les combos de zaga Vitalo. Ils donnent la vie et de l'eau. Hein? Vital Kamere. Vous comprenez? Ah, Nazio. Voilà. Dédicace spéciale à directeur du cabinet Vital Kamere. Jassim. Entrez dans de bien accompagner. Un bon analyste que je suis, Timothée Lenoir rejoint INC dans les jours à venir. Oh. Et il attend être mandataire public. Oh. À bon vent déjà, Timothée Lenoir, sur au comment on a déjà dans l'entreprise, c'est bon. Parce qu'il va pouvoir, on est déjà calaté. Voilà, Liti Arapasi. Il a compris, Liti Arapasi, qu'on demeure caca. Liti Zaganadele. Ah, un homme politique averti. Mais Dieu voulant, Dieu aidant, je suis dans les bons. Je suis à deux pères aux hommes colotes et pas à nan. Parce qu'aujourd'hui, la République est engagée par deux personnes. FCC avec Félix Tshisekedi et FCC avec Joseph Kabila. Oyo, Barbenga, Chine, Rambo. Bana Kinshasa, Barbenga et Mukamate.
Na monsieur Béton, on va voir parce que pour bien faire les choses, Franck, après avoir bien réfléchi spirituellement, bon, na yona Franck et l'oro moro kaka. Ça c'est bon. Na Franck c'était mai, na Steve c'était mai, Steve kaba ma bino nyo soga et l'oro moro. Le plus important c'est Africa Info. Africa Info qui est un grand magazine costaud ya Bilombe. Donc pour te combattre, pour te bounda bien. Ce que j'aime en toi, parce que toi tu fais des choses bien, toi tu réfléchis bien et nous élevons les débats. Pour bien faire les choses, il faut faire un choix entre les FCC et les CACH. Et aujourd'hui, je suis en train de réfléchir pour Naza politicien. Narotique à l'éternel, matéque analyste indépendant. Je dois faire un choix. Et je suis en train de réfléchir par rapport à ma proposition. Et si gagne conscience, et si gagne intérêt général, et si gagne peuple a retrouvé intérêt, enfin, qu'il y a Timothée, il y a un cap, il y a un cap. Voilà, est-ce que vous rejoignez l'IDPS ou un coup de pouce? Parce que récemment, il y a un coup de pouce, 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 il y a un coup de pouce. Non, je ne me vois pas dans l'IDPS. Je ne me vois pas dans l'IDPS. Mais Dieu voulant, si les chefs de l'État sollicitent mes services comme conseiller principal dans un secteur, je viens. Parce que Bazoré a aménagé présidence. Chef de l'État Zoré a aménagé cabinet. Déjà Abraham Loakabanga. Loakabanga déjà, il est incompétent, il est parti. Un conseiller administratif a aussi quoi engager République avec une société minière au nom du chef de l'État dont le chef d'État n'est pas informé, dans le cadre d'État de droit, malgré que c'est son ami, le chef d'État l'a suspendu. Même, on les a mis Bachebango aux arrêts. Donc bravo. Je peux venir à la présidence comme conseiller principal. Pourquoi seulement la présidence? C'est mon niveau. PME. Ah? Je peux venir comme conseiller principal en charge à PME. Je peux venir comme administrateur, directeur général, il y a OPEC, Office des petites et moyennes entreprises congolaises, parce que j'ai une vision sur les PME. Si toi tu y as un terreau, tu sais que l'eau qui stabilise l'économie en beau que ça les PME. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi a une vision. Il a une approche pour faire décoller cette nation. Et on ne peut que tenir compte de la PME. Et moi j'ai une vision pour les PME. C'est que les gens doivent retenir Timothée Lenoir, Azaï Soussou indépendant, Timothée Lenoir. Pas du tout. Je suis indépendant. Je suis indépendant. Je suis sérieux. Au cas aussi, ça te passe que je me marre la logique. Timothée Lenoir a longué indépendant. Naza indépendant. Naza Lukate. Naza Naka, ça va pour parler. Voilà. Parce que politique, c'est un monde d'approchement. D'une part, FCC de l'autre côté. FCC, Babenga Gingaï, on est en train de voir. Côté Kachpe, Babengaïro, on est en train de voir. Moi-même, j'ai un bureau, j'ai une série de j'ai une série d'études. Moi-même, j'ai réfléchi spirituellement et moralement pour ne pas faire un mauvais choix. Fini le combat avec Timothée Lenoir. Au contraire, le combat devient de plus en plus super efficace parce que je suis dedans. Timothée Lenoir, Azan a mangeoire. Timothée Lenoir, depuis l'émission. Ah mon Dieu. Timothée Lenoir, c'est quoi l'élo? Oboyi IDPS, mais on dit mi fachi. Ba inondation na si dubangi sa e la. Ba mboula nyonso ba pui di livien, ba koufie bele. Ba bilan ma nyonso yosko conseiller à chef de l'État, pe sa e non conseil, pe proposer solution. Non, je n'ai qu'une seule solution. Ça veut dire que le chef de l'État est entouré de 721 conseillers. Mais je suis désolé, les gens sont flous. On a ce qu'on appelle la société Metalsat. Metalsat depuis l'époque de Mobutu. D'ailleurs, terrain météo était comme ma troisième, ma dixième femme. Il y a ta FCC, on connaît la suite. Metalsat, Lelo, Azan a problème. Azan a sérieux problème, il y a équipement. Parce que seul au moyen de Metalsat, parce que Metalsat a travaillé toujours dans le bourgmestre, dans le chef du quartier, au besoin évidemment avec le gouverneur. L'importance à Metalsat, tes amis, une fois que Metalsat est bien équipé, Metalsat a la quantité, il y a Mboula, Ndengezoya, na El Nine, qui est na Ouest, Sud, Est, Nord, quelque chose comme ça. Mais malheureusement, la société Metalsat qui fonctionne bien, évidemment comme la Sonas qui fonctionne bien, les FPI font des promotions qui fonctionnent bien, elles font des promotions d'industrie qui fonctionnent bien, Metalsat a un problème à frais de fonctionnement. Metalsat a dépendant d'un ministère, il y a transport et voies et communication. Bazan a frais de fonctionnement. D'une manière générale, Metalsat ne fonctionne pas. Or, aujourd'hui, toi et moi, nous faisons notre lecture. Il y a ma camarade Madame Laplouie qui est au travers France 24, Hero News, TV5. Au contraire, Bissomoga à l'époque à Mobutu, ouais. Metalsat fournissait un bon travail qui nous permettait de faire les oeufs. D'après les informations à ma possession, mois de novembre,
si tu comptes début décembre, on doit avoir 290 000 mètres cubes yamboula. Mais mboula où est bête il y a deux semaines mardi et bête déjà 90 000 m3. Mboula où est bête à l'obiao et c'est déjà plus de 50 000 m3. Donc ça veut dire que si on doit attendre le 300 000 m3 il y a mois à décembre tu croyais bête et que hier en essence nini, ça veut dire que Kinshasa va s'inonder. N'ego bête a sonné d'alarme Kinshasa est qu'on s'inonde. Alors na rapprochement na réflexe il y a chef de l'État. Dans la logique, il y a Vitalo. Je pense qu'il faut bénir les DG ou encore le comité de gestion. Il y a Metelsat. Il y a une réunion de crise. Je suis désolé, le premier ministre qui organise une réunion de crise, il appelle l'OVD, il appelle les génies militaires, il appelle les génies civils d'une manière générale, si vous voulez. Mais le premier ministre, le professeur Sylvestre Lukamba, n'a pas pu comprendre que dans la réunion d'urgence, il faut appeler Metelsat. Parce que Metelsat, toi tu es scientifique, Steve, tu comprendras que Metelsat nous t'a expliqué son boulot yo, dans cette situation. Voilà. En fait. Comment sauver des vies. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que des gens qui meurent. Je te dis que Zongo est inondé. Okay. Dans les jours à venir, le Congo central va s'inonder. Le Congo central va s'inonder dans les jours à venir. Ça, ce sont des grandes matières que le chef de l'État doit traiter. Voilà, Timothée Lenoir, passons à autre chose. Tout pousse en moi, Liboso Ndambou. Lélo, Timothée Lenoir, pour rejoindre déjà pour voir. Pas du tout. Pour parler. Tu es là pour parler. Mais ce proposition est sortie de crise de Martin Fayulu. J'ai toujours été d'accord avec Martin Fayulu. Avec cette proposition. Par rapport à non, j'ai toujours été d'accord avec Martin Fayulu par rapport à son état d'esprit, de son approche pour un combat politique. Mais dans mon attendement, proposition, il y a plan de sortie à Martin Fayulu. Ça va sécuriser les intérêts du FCC. Garder la CENI et la Cour constitutionnelle. Si ça va sécuriser le FCC, au bien a raison. Expliquez-moi. Ça va sécuriser le FCC. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, moi et toi, Bengana Bangou Ezate. Mais on a une mission. On a un objectif. L'objectif, c'est d'affaiblir le FCC. Pour ne pas dire les écraser, parce qu'ils sont aussi congolais. Mais nous pouvons les écraser, les assassiner politiquement. Mais quand Martin Fayulu propose ça, ça veut dire que s'il y a des gens qui risquent, entre guillemets, de rebondir, ça sera le FCC. Or, le FCC, quand ça rebondit, ça affaiblit d'abord lui-même Fayulu. Les Lamouka, tous les blablabla, la vérité des urnes qu'on sort. Et le cash sera écrasé. Est-ce que vous comprenez qu'il y a Sengi, gouvernement, à l'obiboué, il y a Zouakaka, Batounaye, Seni, Cour constitutionnelle, c'est-à-dire, ils ont un vrai indépendant pour bien se voler la réélection. Qu'ils ont la tendance à être CENI ou elle là. Mais est-ce qu'on a déjà indépendant qu'est-ce qu'on a l'élection purement FCC ça vous a répondu. Dis à tonton Martin, nous allons en transition. Il essaie. Mais à lobby, on peut. Les élections anticipées. Est-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit ça fait 5 mois, moi je t'ai dit ça. Toi, tu m'as posé la question, mais monsieur Lenoir, ça va se faire comment? Et puis, il y a 5 mois passés, je t'ai dit que nous allons en transition. On ne sait pas parler de l'Afrique, on ne sait pas parler du Grand Lac, on ne sait pas parler de la République démocratique du Congo, sans parler des États-Unis, sans parler de la France, sans parler de la Belgique. Aujourd'hui, l'Allemagne est entrée dans le coup. Aujourd'hui, la Russie, à côté, il y a COP, parce que c'est un deal, c'est un COP. Ça veut dire qu'on n'a aucune décision à prendre. Nous allons revenir dans le format 1 plus 4, 1 plus 5, 1 plus 6. Parce que, pourquoi? Parce que l'homme politique congolais, il est tellement, pour ne pas dire immature, il est tellement ce qu'il est, c'est qu'il avance de 3 pas, il recule de 10 pas, ça affaiblit la République. Or, la communauté internationale ayant déjà beaucoup investi, pour la Makambouya paye à RDC, qui la RDC est entourée de 9 voisins, ne peut pas vouloir qu'aujourd'hui la RDC est sous le chaos. Donc, tout ce que Fayulu peut dire aujourd'hui, ce n'est pas du nouveau. Moi, je l'ai dit. Mais bah, tu vas y aller, tu vas dire, si, évidemment, Aura et Kesseni, ça, c'est tout à fait normal. Mais je l'ai dit. Mais les esprits avertis ont compris que j'avais dit la vérité. Donc, nous allons en transition. Donc, vous êtes d'accord que tu aurais la transition? Mais moi, je fonctionne avec la communauté internationale. Donc, vous êtes candidat à Mindele? Ah, pour Anité. Oh, non, vous êtes candidat à Mindele. C'est que vous êtes candidat à Fachalo, Baba. Oh, Fatia, bagin do kezangate. Abagi, bagin na bandeko. Bilenzo ka bandoki. Je vais t'aider, Steve.
Oui, bandoki au facial ou banane. FCC. Yo gars ça le banane. Bande kona zalaki na bango. Ah, vous avez mal compris son. Vous avez mal compris l'état d'esprit de son oui, message. Oui, bien que c'est toi téléologique. Ah. Vous avez bien reste. Et le ko wana facial ou bato na zalaki na bango, c'est une façon de dire bato na zana bango. Il n'a fait que ah comment on t'a fatigué à solo. Non, on n'a pas comment on t'a fatigué. Fachi, c'est le chef de l'État. Oui. Le chef de l'État, il est entouré d'un cabinet de gens qui sont faibles, des gens qui sont incompétents, des gens qui ne comprennent rien. Naluka kopango bien te avantage nanga pona maele. Steve, j'ai 3 diplômes. Ah mon Dieu. Hein? Na respecta ko po yo po zana 3 diplômes de tinga. Hein? Même si les facteurs méritocratie na mboko n'est pas au rendez-vous, mais on doit recadrer les choses. OK. Steve, obi ke ba ça passe hein, ko va en aba. Voilà. Oh, Il faut résumer. On te donne un bouquin de 1200 pages, résumé on a 3 pages. Avantage dans ça, Nango, je ne suis pas parfait. Je ne veux pas m'attaquer individuellement aux gens, mais au sein de la présidence, dans l'équipe, va te bêler dans ma île. Et aujourd'hui, plus proche du chef de l'État, au fait, je ne vais pas aider les chefs de l'État. C'est ça le Congo. J'ai un combat. J'ai un objectif. Ce que tu as comme sénateur à vie, qui candidat sénateur à vie, non, même si je vais à la présidence, même si je vais comme mandataire, prochaine législature, on a un candidat sénateur. Tu as un candidat sénateur. Dans la catégorie, on a Chinara. Jean-Pierre Bemba. Dans la catégorie, on a Chinara. Condamné dans la dernière chambre, on a appel. C'est déjà passé. C'est passé. Jean-Pierre Bemba a déjà. Effacé sur la scène. Non, non, Jean-Pierre Bemba ne peut pas être effacé. Jean-Pierre Bemba a déjà 10 ans. À Boloko. Ça, ce n'est qu'une continuité de la procédure. Et les une année à condamnation, on a, et ça inclut automatiquement dans les 10 ans. Oui. Donc, c'est une façon de dire que Jean-Pierre Bemba, maintenant, la seule chance de Jean-Pierre Bemba, c'est Félix Tshisekedi. Ça veut dire changer le bureau de la CENI. Ça veut dire parler avec les parlementaires. Ça veut dire changer la loi électorale. De la manière que Batoubazan a un casier judiciaire un peu compliqué, mais il va bénéficier de la mesure de grâce, surtout que Batou a arrestation à Bangouzagi pour des raisons politiques. Et je pense que dans l'état d'esprit à Félix Tshisekedi, il ne peut que faire ça. Parce que c'est quelqu'un qui est très flexible. Et qui est très là. Est-ce que tu sais que Félix Tshisekedi, c'est le beau-frère de Bemba? Peu importe. Non, la question n'est pas peu importe. On est africain, on est bantou. On est que dans la politique, il est belé dans la yébi. Mais tellement je suis lié à Bango. Je suis bloqué. Merci papa de Okusu. De Okusu, je le respecte beaucoup. On a de très très bonnes relations. C'est comme notre gourou du Congo central, Floribert Mbatshi Mbatsha. Je le respecte parce qu'il avait redoré l'image des choses du Congo central. Toko tamamba Congo central, on le roi Fongoli déjà brèche. Atuma tubwanga kei. Atuma tubwanga kei, mais physiquement. Atuma tubwanga n'est pas parti spirituellement. Retiens ce que je t'ai dit. Le Congo central est en 3 districts. Lukaya, Cataracte, na Bas-Fleuve. Mm-hmm. Depuis ma Kambaba gouverneur et bandit na pouvoir à Kabila, ils ont toujours Bas-Fleuve, na Cataracte. Lukaya non Bazuite. Ce qui fait que le Congo central est dirigé par 3 catégories yaba mfumu. Par 3 catégories yaba bilima. Ça veut dire que aujourd'hui, il faut que les chefs de l'État négocient avec Banekongo ya Lukaya. Na pesi bango ligne de conduite ba ke no lukamo seigneur Ntselele na kisanto. Baluka monseigneur Ntselele na kisanto aza très efficace. Ma mère elle est mukongo, elle est de Lukaya, elle est mutando. Kabila quand il est venu chef de l'État, il y avait un problème au Congo central. Kabila a délégué Yerodia. Yerodia est venu chercher madame Lenoir Marie-Jeanne ma maman. Ba ke na Congo central, mère abeleli ba kisimbi. Mère à famille. Qui donc j'aime ces famille. Mère à Beléli Bakissimbi. Bakissimbi va passer autorisation. Ma mère a amené Abdoulaye Yerodia. Prochainement, je t'amène les photos. Ma mère a amené Abdoulaye Yerodia. Na tombe ya papa Diom Ndongala, pas jeune. Oui. Mais les papa Diom Ndongala. Parce que ma papa Diom Ndongala baza ba mfumu. Baza le grand papa qui massa. Ma papa qui ndoki ndoki. Ba ngonde ba mfumu ya ba Nekongo. Baza ba tumoko baza bilima ti baza wana. Alors, le lopon na kimé kota na Congo central, eza ko senga foko luka ba nsamba, ba makasu, ba ko belela ba kisimbi, ba mandona. Non, Atou est innocent. Si. Atou, il n'est pas innocent. Atou a cherché à détruire
le mandat de Félix Tshisekedi. Parce que trouble, il y a Congo central, le perdant c'est Félix Tshisekedi. Pour le Congo central, ce qui est pays, le perdant c'est le chef de l'État. Mais j'ai aimé le travail battu au niveau de la présidence. Ndenge plénière, on est sama qui na cascade, fallait mettre de l'ordre. Et félicitations au directeur des cabinets Vitalo. Mais déjà, cette même assemblée provinciale, Baoutara n'a pas eu le départ à Toumatoubouan. Non, l'assemblée a été divisée. L'assemblée a été divisée, ils sont à 41. Pour preuve, la plénière d'hier, il y a 24. Ça veut dire que les restes là sont considérés comme députés à tout. C'est comme ça marche la médiocrité de notre politique. Au cas député, il y a gouverneur. Et alors, comment vous allez à Kinshasa? Mbondi Mbondi Désiré, il y a MSC Lukaye. A quelle mission de contrôle? Godin Poyassel, il y a une mission de contrôle, il y a une Wenza Marché Liberté. Gentilien Bengi Bango. Qu'est-ce que c'est? Il y a un terrain pour vous faire le coloté. Mbondi Mbondi, chef à mission de contrôle, il y a une mission de contrôle par Rita Bola. Na DGRK. Initié par Godin Poy, le pasteur. Gentilien Gobila qui appelle Godin Poy. Comment on peut permettre Batouana de faire un contrôle sans qu'il n'y ait l'informer? Donc, la politique à Congo, ils ont marché dans vice-versa. Aujourd'hui, il y a des conflits au Congo central. Ce qui s'est passé, c'est que Tumbawana plaignait en Abalabala. C'est ça la démocratie. On doit laisser notre jeune démocratie au Bongo. C'est comme ce qui se passe aujourd'hui au Sankuru. Mais le règlement intérieur prévoyait plaignait en Abalabala. Papa, la politique prime. La politique prime au-dessus de tout. Et ça, le grand Makamboele qui est en Sankuru. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui peut sauver les Sankuru, et ça, pasteur Moïse Ekanga. Aujourd'hui, les Sankuru, on ne peut pas compter à Lambert Mende, on ne peut plus compter Nana Ninaché Okitoun. Oh, Jean-Charles Okotolo Lakembe, Bango Lissoute. Aujourd'hui, il y a un vrai pacificateur pour les Sankuru, c'est le pasteur Moïse Ekanga. Même les gouverneurs en place, ils ont... Le gouverneur en place, il doit. Moukoumadi Stéphane doit être parrainé par un gourou comme Stéphane, hein, comme qui c'est, Moïse Ekanga. Revenons au Congo central. Qu'est-ce qui s'était passé avec le ministre national de l'Intérieur? Pour Baye Bissaye, que le ministre intérieur, le ministre Oyoyo, a comment menacé. Non, le ministre de l'Intérieur n'a fait que, respecter la démarche. La démarche étant constitutionnelle. Il y a un gouverneur AI. Oyoyo, il faut organiser l'élection. Du fait que l'élection est salamité, il faut étudier la question. Mais le malheur, il y a un ministre qui a intérêt, c'est qu'il n'a pas pu maîtriser et comprendre les contextes politiques actuels. Okay. Parce que le contexte politique actuel, il est resté textuel, qui est contextuel, et il s'est perdu. Toke Moussika. Toke Moussika. Ça veut dire que le ministre n'a plus de repères. Alors du fait qu'il n'a plus de repères, il a pris des engagements, d'après ma source, Azaïe en contact n'a à tout. On ne sait pas préciser parce que tout ça n'a confirmation. Non, mais en réalité, Nazangam n'a pas mis en émission. Mais en réalité, démarche chez le ministre, c'est normal. Parce non. Il n'a, fait que respecter la constitution. 3 mois à suspension. Il n'a fait que respecter la constitution. Mais le problème, c'est le contexte. Il a été hors contexte. Mais il devrait d'abord respecter les lois. Respecter les lois, là n'est pas la question. Toi, tu connais les principes de droit, même si on respecte les lois. Mais la loi, quand tu la loi, quand tu la respectes, n'oublie pas que la loi a toujours été accompagnée de la contrainte. Donc, on respecte un peu dans la logique, Mais si on a un niveau, il y a des députés dans l'Assemblée nationale, comment on va menacer. Mais c'est bien, c'est beau, c'est ça la démocratie, c'est beau. Comment ça? Non, mais moi, je suis content. Encourager banditisme dans l'Assemblée nationale. Non, définis ça comme tu veux, tu es libre. J'aime cet état d'esprit. Na Russie, va Bundara, na France, va Bundara, na Ouganda, Koto, na Rwanda, va Tombola. Na RDCP, va Bundara, trop. Mais faut pas Bundara. Première législative, va Tombola, Bundara, deux fois, deuxième, n'en parlons pas. Non, 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 mais Nani, Steve, toi, tu es un constitutionnaliste. Hein? Constitution d'Abisso est taillé sur mesure avec beaucoup de flou et beaucoup d'ambiguïté. Ce qui est le quoi engendrer bagarre. Toi et moi, qu'est-ce qu'on va faire? Faut pas tout pas bunda. Et ça pour l'intérêt du peuple, mon cher. Faut pas tout pas bunda. Non, c'est un bandeau sur l'ingo émission. Il y a un honorable délit, c'est ça. N'a bien trop, il me répond aussi. Non, le problème est sur le plan scientifique TVT. Le problème avec l'honorable Délice Sessanga. On a besoin de lui. Le problème avec l'honorable Délice Sessanga, il s'aime trop. Ça, c'est son défaut. Sessanga, c'est lui l'initiateur de la loi sur la décentralisation. Oui. Aujourd'hui, s'il y a des valeurs constitutionnalistes, il y a Mboka. Toujours, papa Nabiso, Vundo et Tepemako. Toujours, Jacques Njoli.
y a MLC. Il faut tout compter Deli Sesanga. Deli Sesanga est un avocat très brillant. Hein? Voilà, lui d'ailleurs c'est vraiment un ami à mon fait papa. Jean-Louis Essambo, sans oublier le professeur Bagnacou. Jean-Louis Essambo, professeur Bagnacou, aujourd'hui professeur Jacques Ndjoli, et Sengekeli, Jacques Ndjoli. T'es pas Bochab, Bochab il est perdu. Apparemment, Bochab il faut l'oublier. Bochab il est dans les chocs, il y a Badi Banganenga Bétaï, il faut vraiment les mettre de côté. Donc, Deli. Deli Sesanga, le problème de Sesanga c'est qu'il s'aime trop. Sesanga c'est un frimeur. Il me répond mais... Aoyate, je le connais. J'étais du MLC. Naza parmi ma racine, il y a MLC à l'époque. Sesanga Aoyate. Et pourtant, constitutionnellement parlant, du point de vue de droit, du point de vue juridique, on a besoin des valeurs. Le quoi, ma professeur Bagnacou, ma professeur Jacques Ndjoli, ma professeur Vindo et Tepe Mako, ma professeur Jacques Ndjoli, ma Deli Sesanga. Surtout que Deli Sesanga il est au four au moulin dans l'hémicycle. Parce que la loi wana y a un initiateur. Aujourd'hui, Sesanga doit apprendre à organiser de grandes conférences. En fait, il y a des scientifiques qui ont un papier à bic. C'est surtout venir exposer son intelligence. Son intelligence. Mais Deli Sesanga a exposé l'intelligence dans le Parlement. Ensemble national, les associations ont dépassé. Quelqu'un qui était coordonné dans Boudjalakouna a commis député. Quelqu'un qui était un grand vendeur dans Mouéka a commis. Il connaît loin, il connaît rien de la constitution. Or, des valeurs comme bah, Sesanga, il faut organiser la conférence. Biso bano tolingi papier na pique toi au bac samaé. Oui, que si il faut tous à galolendo. Oui, les gars, les qui n'a ni on a maïd. Papi tambala maïd. Ah, Luka pe muta sa ane deba. On n'a pas les mêmes niveaux. Et puis, quoi? Et à Baki bino va tous les qui est. Bino banzambe. Bon, mi kit sa tapo na mbala moko. Na yamba bino mbala. Et bien, n'a goti mot. Obimi son roubien. Papi tamba. Yeyo. Mes dédicaces spéciales à quelqu'un que je respecte beaucoup, Kofi Olomide. Kofi Olomide, ne mélangeant pas les gens. Un jour, Kofi m'a dit. Un jour, Kofi Olomide m'a dit. Les Kinanga Timothée le Noir. Dans la vie, il ne faut jamais mélanger les torchons et les serviettes. Au 25 ans, pour dire mon papi. Je suis un lié. Papi Tambabi, débat. Il n'a pas mon niveau. Il n'a pas mon niveau. Bengelanga Francis Kalombo, tout ça a débat. Bengelanga Germain Kambinga, tout ça a débat. Bengelanga Yves Kissot, mais Yves est très intelligent. Okay. Yves est très intelligent, je le respecte. Je devrais le recevoir. Yves Kissot, on peut tout dire de lui. Il est ce qu'il est. Tout le monde a ses erreurs, tout le monde a ses défauts. Yves Kissot, c'est une fierté pour le Congo central. C'est un jeune homme très intelligent. Comme Mangana va Papi Tambate. Voilà, Aboudé Papi Tamba. Non, mais on n'a pas le même niveau. Toujours cité. MLC, rumeur, ils ont circulé qu'il fait les deals avec le FCC. Nous sommes en politique, ce n'est pas un deal. C'est pas, je ne sais pas si on doit utiliser le terme deal. Politique à chaise vide et foot à rater. Aujourd'hui, politiquement, Jean-Pierre Bemba fait beaucoup d'erreurs. Beaucoup. Et Jean-Pierre Bemba fait beaucoup d'erreurs parce qu'il ne voulait pas écouter. Il ne savait pas d'où pouvait venir de la bonne information. Et pourtant, Jean-Pierre Bemba est très. S'il y a un politicien qui est très bien informé dans Mboko, c'est Jean-Pierre Bemba. Politique à chaise vide et à rater. Je suis venu te dire devant caméra, Zoumé Ngaï, Lelo Naza indépendant, mais pour nous mener le combat, ils ont un sens réel, équitable, pour nous se rendre utile pour la République, je dois être quelque part. Parce que même ceux-là qui croient en moi, bon, ils vont devenir. Bongo kukate, ton nom talo koutou. Nengi pété. Na Maxi Bio Café, na son baka mwana. Maxi Bio Café, e fongi si yibala nangali. Rien à dire, podium na podium, baka lo ya zomi mwana. Tome la ka anabino yango. Force mbetu. Danger. On dit maga oui, mais la repère ça va être meilleur répondant. Ce qui n'asa et si comme réseau construit une force. Et je suis en train de réfléchir. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je suis sollicité. Émission. Je suis sollicité de gauche à droite. Voilà. Permets-moi de réfléchir. Mais la Mukando qui n'était. Non, tout sauf la Muka. La Muka, je ne vais pas dire que c'est une histoire qu'il faut jeter dans la poubelle, nous mais. Nous avons la... J'ai pas faim, mais j'ai le minimum. Mais aux gens. Excuse-moi, regarde comment je suis habillé. Non. Un adage latin dit omne suo lutuitam beatam. Il n'y a pas de problème. Il y a aussi un adage qui dit connais-toi toi-même parce que moi je me connais.
Tu vois comment je suis habillé? Mais tu cherches de l'argent. Non, je ne cherche pas de l'argent. J'ai besoin d'un poste. On va se faire, on va se non, faire non, de l'argent. Non, non, Steve, restons rationnels. Toi, tu es un télo. Il y a un débat scientifique. Restons rationnels et conséquents. J'ai besoin d'un poste. Pourquoi? Ceux qui croient en moi. Tu vois aujourd'hui la difficulté avec l'UDPS. Ils ont été radicaux pendant 36 ans. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir, ils sont perdus. Parce qu'il n'y a pas de repères. Il faut commencer quelque part. Non, il faut mais accepter de commencer. Lumbu, pour tes paroles, l'UDPS, il ne me prend pas au téléphone. J'ai écrit, il ne m'a pas répondu. En tout cas, pour comprendre que tu es un peu plus tard, tu es un peu plus tard. Oh Steve, vous avez trop beau et trop beau et trop beau été. Bah, tu me souhaites bien à Bali, à Rande Goyati. Donc, professeur Paul Chilumbu, il y a la faculté de médecine, spécialement la pharmacie, porte-parole à IDPS. N'a bien mis aux yeux à Mangante pour toi, tu es banni. Maître Peter Kazali aux yeux à Mangante. Alors que j'ai encore besoin de vous, pour nous être aux aboués, bah, tu n'as pas une émission, je mets tout le monde à l'aise. Les Noirs, enfin, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un mot d'espoir à Batutu Bantala. Un mot d'espoir, je salue Vitalo. Vital Kamere, Loakani, Nini, Kini. Je salue Vital Kamere. Faiseur de président. Non, si tu veux. Tu vois, tu as tout le monde. Le faiseur de président de Bandura, UNC Balobaka. Nous avons fait l'effort dans la politique. Nous avons fait étudier Batutu en profondeur. Aujourd'hui, Vital Kamere. Non, Vital Kamere m'a toujours séduit parce qu'il est intelligent. Tu sais pourquoi j'accompagne... Même sa malignité séduit. Tu sais pourquoi j'accompagne toujours Richard Mouyej? Parce que Richard Mouyej Manguez, c'est très intelligent. J'ai échangé avec le DG Lucien Ekofo de la SONAS. Il est très brillant. J'ai échangé avec le DG Patrice Kitebi du FPI. Il est intelligent. J'ai cherché à échanger avec le DG de la SNED. J'ai compris que c'est un fouillard. Ça, c'est le mot de la fin. Oui, ça, c'est le mot de la fin. J'ai eu à chercher à échanger avec le DG de la Régie des Eaux. Un fouillard, c'est de l'incompétence. Aujourd'hui, Vital Kamere m'a séduit, pas dans le sens de la faiblesse, mais m'a séduit parce que c'est un faiseur de roi. Tu veux devenir roi? Pourquoi pas? Voilà. Je suis dans la race d'El Rey Mago. Pourquoi pas je sois roi? Info live. Info Nangaye Zaga Napesi Vinombote, dédicace spéciale à tout le monde. Merci pour l'actualité. Félicitations pour Baninga et FCC. Atteindre l'objectif pour la quiétude du Congo central. Atou Matoubang est parti. Nous restons dans le respect des principes. Je crois que de par les principes constitutionnels, tout réfléchir, Steve, pour vous appeler ma case dans ma cambouala. Ça veut dire que le gouverneur AI Marcel Matumpa, dont la constitution et ça qui est possibilité aux gouverneurs AI. Comme il y a eu vice de procédure venant par le manque, il y a contexte, il y a politique actuelle, il y a vice-premier ministre, je pense qu'on doit être dans le respect, il y a continuité. Ça veut dire que l'actuel gouverneur AI, il y a Congo central, Marcel Matumpa doit rester. Il doit normalement rester dans les trois mois. Dans les trois mois. Et c'est la seule unique personne mieux habilitée pour organiser les élections. Je ne sais pas si j'ai mal décortiqué la constitution, mais je pense que c'est ça la logique. Et il faut dire à Antoine Gonda de laisser tomber. Moi j'ai une question à poser à Antoine Gonda. Je peux le poser. Hein? Monsieur Antoine Gonda, j'ai une question à poser vous. Posez-vous. N'a posé une question. Posez. Et Simbate Congo Central. Antoine Gonda a corrigé Congo Central. Congo Central et Zabi. Antoine Gonda, Jean-Claude Vemba sentait comme il a un problème. A Mémi Charge, à Mili Mominga Zo Kokate. Bati que la monnaie Marcel Matumpa, peut-être que je peux être le prochain. Vous en êtes dans ma COP fort. Plus de 143. Je ne sais pas quoi, qu'est-ce que tu définis comme. Je suis au 84 plus 243. 84 017 55 60. Je suis au plus 243 84 017 55 60. Venez investir au Lualaba. Les portes sont grandement ouvertes au sein de la province du Lualaba. Vous trouverez du coltan, du cobalt, du minéré, nionso pour l'intérêt des Lualabins. Les Lualaba, c'est la bonne gestion. Merci à Richard Mouyej Manguez. Big dédicace à Richard Mouyej, excellence et Manguez Mans. En tout cas, un grand merci à Sadi Kimaele, Oyo Azalaki, vraiment la réalisation et émission. Oyo, un grand merci à Odette Lessa, la Mégane depuis Switzerland. Donc, merci à Franck Stemay, le top manager. Merci à mon vieux Sia Moulex, Aigle Noir, Papé Manuel Mandanda en Autriche. Merci à Binonion Sogelon Poutou, en Afrique du Sud. En tout cas, vous avez belé. Au besoin d'un Eva, en tout cas, merci à vous, Eva.
Merci Nayo, Binonyo Sobozane Bele, Pasta Dring, Sarah, Lumea, Ruth Lumea. Merci à vous. Tokutani Mbalasim, en tout cas, puissance à l'Iloba et l'équipe Alissasi. Grâce à Lissasi qui m'a assisté, merci à toi. Un grand merci, fidèle internaute. Nous allons nous retrouver très prochainement pour Politique Info. Merci. Bye. Tout ce bel endam, madame. Oh! Où est-ce que tu as dit que Allez, qui si? Non, non, pas quand on a maraté, on a sauvé la cabine. Mais hier, quand on a maraté, il y a mon corps vraiment. Hein? Ah, solution des yeux, Mat. Solution est en gros. Maxi Bio Café, on a des ressources. Maxi Bio Café, ils ont salé ma cambo et belé dans les autres yamoutes. Fongo la mémoire. Dans notre traité, faiblesse sexuelle, hémorroïde. Ok! La soupe est faible! Solution la soirée! Napoléon. Tome la carne à Bino Yango. Force Mbetu. Danger. Maxi Bio, Maxi Bio, café original. Café original. Bandeko tome la Yango, pour la santé na biso. Bana Din, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité FM Moko, Afrique Info avec Franck Semaï. Yandankala Twende X-Bass Marandura